C'est beaucoup trop fort. Ici Truffy et bienvenue au MG pour Five Nights at Freddy's. Jeu d'horreur que vous m'avez offert, Truffy Dell. D'ailleurs, merci au Truffy Dell dont j'ai oublié le pseudo parce que... Parce que c'est compliqué et qu'il y a un nounours qui me fait des yeux. Enfin, assez flippant, une espèce de pédobire avec le menton des Bogdanov. Merci à toi, Truffy Dell. Désolé de ne pas retenir ton prénom. Et je ne sais rien de ce jeu. Je me suis préservé pour être mieux dépucelé. Je sais juste qu'il a fait un carton comme Slender. Donc je me demande quel type de jeu ça va être. Et bah je l'ai pas encore commencé pour tout vous dire, donc ça va être une nouvelle partie. J'ai pas trouvé de patch FR non plus, donc on s'en fout, nouveau jeu. Peut-être qu'on va Freddy Fazbear's Pizza. Donc une pizzeria qui cherche un agent de sécurité, d'accord. Donc nous on est agent de sécurité. Mais moi, sécurité assurée. Pas de problème, messieurs dames. Je regarde pas sous la jupe des jeunes femmes. Ok, quel... Oh, il y a des jolis dessins. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas avancer? Qu'est-ce que... Waouh, c'est super bizarre. Je suis Wally, je suis une caméra, qu'est-ce que... Wow, 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 qu'est-ce que c'est que cette merde? Je comprends rien du tout à ce qui se passe. Quoi? I wanted to record a message for you. Ouais? To help you get settled in on your first night. Ouais, c'est un message téléphonique. I've worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. D'accord. So, I know it can be a bit overwhelming. Donc ouais, c'était un ancien garde qui m'appelle. There's nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing. Ah, c'est moi là. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. C'est une pizzeria, ça? Kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person. C'est les costumes les plus flippants que j'ai jamais vus. Calme-toi, caméra. Power left, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, d'accord. Ouais, les costumes, c'est des robots en fait. Et c'est flippant, regardez, on dirait qu'il bouge le poster. Show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free-roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day, too. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. Quoi? Now concerning your safety, the only ouais, ça m'intéresse. To you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. What? Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Bah j'ai pas envie d'aller dans le cul d'un ours, moi, ça va? Bah oui, imagine, ma tête dans le cul d'un costume, ça va pas le faire, hein. Ils se prennent pour un coq, ces gars. Non, c'est sûr. C'était pas signé. Eh, hey, j'ai pas signé pour ça. Pourquoi? Donc ouais, il y en a un. En fait, ce qu'il vient de dire, vous avez compris parce que j'ai sûrement traduit ça. Oui, je suis visionnaire, tu sais, mon Truffy du futur a sûrement traduit ça parce que j'imagine que c'est un point d'intérêt assez important. Et en fait, ce que j'ai fait,
Ouais, c'est que j'ai reçu un coup de fil de l'ancien gardien qui me prévient de tout ce qui se passe en fait dans ce bordel. Et en gros. Bonjour. En gros, les costumes qui sont des robots ont un libre arbitre, si j'ai bien compris. Et toi, ton but, c'est de les observer à la caméra et de t'assurer que tout va bien, c'est ça? Enfin, de... Je pense que tu dois être en sécurité. Ton but, c'est de rester en sécurité dans ce truc-là. En gros, les portes... Non, c'est le genre de jeu que je déteste ce genre de jeu. Parce que je n'ai aucune idée de... Attends. Ouais, en fait, il faut que je repère bien le plan et que je me dise où et quoi. Là, par exemple, c'est juste à côté de moi. D'accord. Enfin, je crois. Qu'est-ce que je dois faire, du coup? Le truc, c'est que je ne peux pas bouger, j'ai l'impression. Donc quoi? C'est quoi le but, au final? Moi, je comprends pas trop. J'aime pas trop le fait que Power Left, c'est 5-4. J'ai l'impression que c'est un décompte un peu malsain. J'aime pas du tout attendre mon... Pédobir. J'aurais dû fermer la porte, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est très... Ah! Il m'a introduit dans quoi, là? Ah oui, c'est moi, ça, c'est mon œil, c'est... Game over, ok, mais j'ai rien compris, alors. Ça va me mettre du temps, j'ai l'impression. On va simplement continuer, comme si rien ne s'était passé. Donc, j'imagine que le but, c'est de passer des nuits dans ce poste de garde, de garder son job et surtout de garder son anus en vie. Et donc, il faut garder un œil sur ces costumes-là. Ok, ça j'ai compris. Mais quoi d'autre? Ok, donc moi je regarde juste les caméras, c'est bien ça. Mais je ne peux pas du coup... Je dois rester là, dans cet endroit-là, sans bouger? Tu vois, je bouge pas. Je reste là comme ça, je regarde la caméra. Pardon? Pourquoi? C'est quoi? Je suis pas signé pour ça, ça c'est clair. Parce que je me demande, si je reste sur la caméra comme ça, est-ce que... Let's Eat, c'est marqué sur son bavoir en plus, à ce vieux pigeon dégueulasse. Pourquoi il y a cette musique d'un coup? Pète un câble, ce... Moi, je travaille pas dans une pizzeria comme ça, ils vont me découper la... Ils veulent me découper la rondelle, me pétrir la pâte, quoi. Ah, c'est une armature, ça. Ouais, donc moi, ils me prennent pour ça. Oh, putain, je ressemble pas à ça, les mecs, quoi. J'ai même pas une dentition pareille, ni des gros yeux comme cela. Je me sens légèrement offensé. Ok. Bon, j'imagine que... En fait, tu dois juste attendre, si j'ai bien compris. Obscur pour moi. Louloulou, je vous regarde. Louloulou, je ne vous quitte pas les yeux. Mais d'où vient cette musique à chaque fois? Très joyeuse, hein, ça me rappelle ma dernière sodomie, là, que j'ai subite. Subite, c'est le cas de le dire, oui. Ah, ils peuvent pas se payer les nouvelles caméras au lieu des costumes robots dégueulasses? Et lui, il a une guitare en plus. C'est un lapin rose violet
un ours avec un chapeau qui ressemble à l'oncle de Pédobir. On comprend pourquoi il a viré comme ça. Un espèce de poussin sous stéroïde. Obèse. Poussin obèse. C'est bizarre parce que le poussin, il a des doigts. C'est ce qui me perturbe le plus actuellement. Et qu'il a des dents aussi. Enfin, je crois que les volailles ont des dents, mais quand même, ça... Il y a des dents et tout, moi, ça... No, 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 está bueno, tu comprends? On dirait que je regarde le zapping. Moi, je vais atterrir sur une caméra où on va les voir en doggy style, genre... Olé! Olé! Olé, mon doudou! Olé! Moi, je vais être genre... Bon, zip. Je peux carrément me masturber sur ça. C'est tout doux, c'est le minou. Donc, là, je n'ai rien. Je ne dépense aucune énergie, même si je suis persuadé que ce ventilateur, à mon avis, il est le responsable des coupures de courant, là, parce que... Et ce gâteau est aussi hyper flippant, en plus. Tout est hyper flippant, en fait, dans cette salle. Tu te vois travailler là? En plus, il y a une toile d'araignée. Soit on est hyper fainéant comme gardien, en même temps on n'est pas la bonne tu me diras, mais quand même, je veux dire, t'as une toile d'araignée entre les jambes, est-ce que tu vas la laisser? Moi j'ai... Ah oui, si, il y en a plein là. Ah oui, bon bah écoute, j'ai rien dit. Et... Oh, ce que j'aime pas du tout c'est ça. Hein? En plus comme j'ai deux écrans, ma souris quand je vais par là, elle se barre de l'autre côté, donc... Fantastique. Alors, on va rester sur ça, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus j'imagine, et ce qui m'inquiète également le plus. Il est 3h du matin. Ça va, gros gourmand? Tu t'éclates? Vivement qu'il faut 6h du matin, hein. En fait, j'ai l'impression qu'il sait quand je le regarde. Il est tellement magnifique. Il est toujours là, il bouge pas, en tout cas. Allez, bouge pas. C'est presque rassurant, presque. Enfin, pas trop. Je garde un œil sur toi, gros poussin. L'aile ou la cuisse? Quelque chose me dit qu'il va me répondre le cul. Et garde-moi cette tête, quoi. Même ton oncle super bizarre, il a pas cette tête. Même lui. Ok, tant qu'ils sont deux là, j'imagine que ça va. Mais je comprends. Oh, d'accord. Je pense qu'il va me rester suffisamment de temps. J'espère. Ce qui est stressant, c'est que tu dois bien... Il est où Jean-Michel là? Il y en a un deuxième qui s'est barré. Oh, comment il a été aussi vite? Pourquoi il est juste là? Ah, tu t'es tourné toi. C'est si différent ça. Ok. Il faut mettre ma moustache de la masculinité. Ok. Ok. C'est assez flippant parce que tu sais pas comment t'y prendre vraiment. Il y a pas tant d'indications que ça quand t'y penses. Je pense que vraiment tous les mécanismes, c'est-à-dire les portes et les lumières, sont en dehors. La limite, voilà, tu peux pas y toucher parce que sinon ça utilise trop d'énergie. C'est vraiment en cas de dernier recours. Moi, mon erreur, c'est je pense que quand le connard là, il était là, quand il était là, j'aurais dû fermer la porte, tu vois. Mais je l'ai pas fait. Quand ils sont là, on s'en fout. En fait, faut pas tellement chercher à regarder, mais ça brise l'ambiance. Mais tu vois là, déjà, ça utilise beaucoup de jus. Et le jus, c'est important, n'est-ce pas? Ça m'a permis de voir un peu où ils arrivent, comment ils bougent, etc. En fait, c'est... Je pensais qu'ils suivaient des lignes, mais c'est des cases, tu vois. Ils suivent des cases. Mais comme les caméras sont super grosses, c'est assez dur de s'y retrouver. Donc, mon but, ça va être d'attendre. Et voilà. C'est assez stressant, je dois vous l'avouer, c'est très stressant parce que j'ai envie de regarder. Et je me dis, on va regarder très vite. Ici. Ici, c'est là qu'on regarde. On laisse la caméra là-dessus et on regarde très vite quand on a besoin. D'accord? On se fait chier. Oh.
J'ai entendu un dit. Yep. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la caméra était... Et lui, il avance comme ça, tranquille, hein. J'ai envie de fermer au moins une porte parce qu'il arrive par le côté gauche, lui, je dirais, donc... On va pas regarder. Ça, c'est hyper flippant, quand même. Está flipando. Si. Muy flipando. Ah, v'là l'autre qui est arrivé. En fait, t'entends très bien les bruits. Tu les entends très très bien. Dites-moi que ça se finit à 6h. J'ai l'impression que le bruit vient de la droite et j'aime pas trop ça. Regarde, vieux poussin! Jour, nuit. Jour, nuit. Ok. Faites que l'heure passe assez vite, s'il vous plaît. Oh, il est là, le vilain. Il est toujours là, lui, le dégueulasse. On ne mange pas ce soir, non? Non, on ne mange pas. Ok, non, je ne bouge plus. Je ne regarde plus rien. Je suis très tenté de fermer la porte, mais ça va me tuer, je pense. Ça va tuer tout mon courant, pas vrai? Ok, non, chute. Ouais. J'ai plus beaucoup de courant, là. Plus beaucoup du tout. Mais du tout. S'il te plaît. Je sais pas quoi faire, je sais pas si je ferme la porte ou pas, il y a l'autre connard qui... Il n'est plus de courant. Et il n'est pas... On aurait dit les cris de trucs satanés. Quoi, la deuxième nuit? Il y a combien de nuits dans ce truc? No está posible. J'ai signé pour une nuit, je démissionne le lendemain. Oh non, un autre coup de fil. Toujours les mêmes bruits. Qu'est-ce que t'as raconté cette fois? Ah ouais? I've heard he becomes a lot more active in the dark though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots have to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Okay. Not that you would be in danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he comes
becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. Il aime pas être regardé, maman, non plus. I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Regarde, il est juste là, le vieux poussard de merde. Je voulais pas faire ça, moi. Oh, il est dégueulasse, la parole aussi. Dégueulasse, ils ont tous des têtes de pédobire. Ok, bah écoute, on va pas trop s'attarder là, hein. La porte est fermée là, c'est pour le mieux, j'imagine. Je vais jamais tenir une deuxième nuit, moi. Non, ah, attends, oui, il faut tenir 5 nuits, puisque 5 nuits à Freddy, chez Freddy. Pas là, d'accord. Non, lumière. Pas de lumière. Oh mon dieu! C'était malsain! En plein dans ma tronche, en plein dans ma mouille! No, it's not good. Ah, je déteste l'écran. L'écran qui se met comme ça, je déteste vraiment. Et le poussin, il est où? Allez, juste là à l'entrée. Lui, il attend, il est là, il s'en fout. Hein. Garde, mais garde-moi cette tête de. Comment tu veux t'espérer tenir dans un environnement pareil? Mais même pour tout l'argent du monde, je démissionne, moi. Tout de suite. Oh là 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 là. Il est que 2 heures, j'ai encore 4 heures à tenir et j'ai moins. Je me demande si je devrais ouvrir l'autre porte. Ah là 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 là. Quand tu penses qu'il me restait 1% à la nuit 1, comment je vais faire pour gérer ça? J'essaye de me repérer au son. À savoir que... C'est bizarre parce que le poster il dit que pour l'instant le poussin il va toujours à droite. Et c'est pas c'est en raccord avec le poster et le lapin à la guitare, il va toujours à gauche. Enfin va par rapport aux portes. Pour l'instant c'est ce que j'ai remarqué. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Nope! 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 Arrête toi aussi maintenant tu t'y mets! C'est... Ah, il a bougé de place. Il a bougé de place. Voilà, peut-être que je peux enlever ça, du coup, comme il a bougé de place. Enfin, je crois. Il était... Ah, il est là. Il est toujours là, d'accord. Il est plus là, l'autre. Et où est l'autre? Ah, il est là, d'accord. Ok, ils sont tous là. Bon. Oh, c'était tellement flippant quand j'ai ouvert la lumière qu'il y avait sa sale tronche qui dépassait, genre... Coucou. Est-ce que tu veux mes bonbons? Mes œufs de Pâques? Mes grands yeux de Pâques! Non. Oh, je peux pas fermer les deux portes, pas vrai. Ah! Oh! Oh! Oh, t'as vu comment il a couru, le renard? J'ai vu le renard qui... galopait et la belette chantait. Alléluia, veuillez me sauver! À nous, Jésus, Dieu soit allé, adieu, pendez-moi avec ma testicule droite. Oh mon Dieu, ça devient très flippant. Ok, je pense que je peux... Les deux portes. Je pense que je peux faire les deux portes. Je comprends un peu mieux la mécanique de jeu, mais maintenant, ça ne va pas. Il n'y a pas moyen que je tienne. Quoi, ces robots, ils sont beaucoup trop... Oh non, lui, il bouge. Ils sont beaucoup trop rapides. Beaucoup trop rapides. No está bueno. No está bueno. No está bueno del coquelico. Je suis le gardien de nuit. Son nom. Je n'ai rien fait, je suis juste un gardien. J'ai même pas pris de ta pizza. Comment elle s'en va pas faire ça? Oh mon Dieu.
Au moins, tu peux continuer la deuxième nuit, c'est déjà ça. Je sais pas si je vais arriver jusqu'à la nuit 5, mais le concept est sympa. C'est juste que la difficulté est peut-être un peu trop élevée, parce que dès le début, j'ai rien compris. J'étais en mode lâché dans la nature et puis en pâture à des costumes qui voulaient me fourrer. Oh, ma vie est fantastique. En fait, c'est assez flippant parce que l'ambiance est bien gérée. Savoir que c'est des automates qui n'ont aucun sentiment et qui sont vraiment... Ils ont un côté vraiment enfantin, joyeux, tu sais, vraiment innocent. Même si moi, leur tête, elles me font carrément flipper alors qu'ils font rien du tout. Et le concept des caméras est vraiment une très très bonne idée. Après, je me demande où s'arrête, cher Scott Cawthon, où s'arrête la limite de la peur qui est remplacée alors par de la frustration de pas arriver parce que t'as pas assez de puissance électrique, enfin de courant, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, il va falloir que j'apprenne à gérer les caméras et que je me base sur les sons principalement, j'imagine. En tout cas, j'espère que ma première introduction à Five Nights at Trophies vous a enjoué. Moi pas du tout, parce que c'est le genre de jumpscare qui me fait... Mais si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre en favori, à partager la vidéo avec votre entourage. Et si vous n'êtes pas encore, devenez notre fidèle. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nuit de garde suivante terrifiante. Biouf !